Face à l'évolution des technologies et face à l'évolution du monde contemporain qui est beaucoup plus en train de se détendre vers sa technologisation, quel est l'avenir de la culture et surtout quel est l'avenir de l'être humain en tant qu'homme et quel est l'avenir de la culture humaine et de la réflexion humaine dans un monde où la technologie et les différentes évolutions mécaniques ne font qu'avancer et tendre vers ce qu'on appelle aujourd'hui la réflexion algorithmique. Je pense qu'il est légitime de se poser cette question parce que tous autant que nous sommes consommateurs de technologies, que ce soit dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans tout ce que nous utilisons aujourd'hui, le centre est un peu beaucoup plus focalisé désormais sur la technologie. Je me pose même souvent la question de savoir à quoi la vie des gens ressemblerait si on leur privait d'Internet pendant un mois. On aurait l'impression que les gens sont en enfer en fait. Alors qu'en fait, avant que nous puissions en arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui dans l'usage et dans la consommation des nouvelles technologies, il y avait un temps où on vaquait à nos occupations, on n'était plus connectés les uns aux autres, je trouve, surtout à notre entourage. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on a beaucoup plus d'amis, on est beaucoup plus connus, mais il y a moins de connexion entre nous. Et ça, c'est dû au fait de quoi? De l'algorithmie, c'est-à-dire une évolution non maîtrisée, une réflexion qui tend à déshumaniser l'homme et à faire de l'homme un robot avec des penchants, un mode de réflexion, une conception robotisée et programmée. Je suis donc sûr que cette question doit faire aujourd'hui l'objet d'une réflexion profonde, aussi bien chez moi que chez toi, pour moi aussi bien que pour toi. Pourquoi? Parce que tous nous sommes consommateurs de technologies, comme je le disais tout à l'heure. Il y a de cela une semaine, nous avons mené une réflexion avec des amis sur un live dans lequel nous nous posions la question de savoir si la culture avait un avenir par rapport à la prolifération des nouvelles technologies aujourd'hui. Dans cet ordre d'idée, nous nous sommes permis de définir la technologie comme étant une évolution de la culture, parce qu'en réalité, ce que propose la technologie aujourd'hui n'est qu'un ensemble de solutions par rapport aux problèmes supposés, c'est-à-dire les problèmes que posait la culture à l'état pur ou la culture originelle, la culture initiale. Et donc, comment la technologie est arrivée jusqu'à nous, jusqu'à atteindre les proportions qu'elle a aujourd'hui? C'est à la base une question qu'on s'est posée. Comment faire pour résoudre ce problème? Nous en sommes arrivés à répondre par une technologie. Quand je dis nous, je parle de Homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fabrique, quel que soit le scientifique, qu'il vienne de quel bord. Là, je ne suis pas en train de parler de continent, ni de race, ni de quoi que ce soit, mais je parle de l'homme en général et de l'évolution de la science en général de façon globale. Et donc, c'est en apportant des solutions à des problèmes bien précis, bien particuliers, que l'homme en est arrivé au niveau d'une réflexion poussée pour amener l'objet technologique. Mais aujourd'hui, l'homme ne contrôle plus forcément toutes les évolutions autour de la technologie. Pourquoi? Parce que les algorithmes se sont emparés de cette réflexion. Du moins, peut-être pas sur le plan de la fabrication, parce que la conception est toujours faite par l'homme. C'est vrai qu'au niveau de la matérialisation, ce sont les robots, ce sont des programmes qui font ça. Mais même la programmation encore, elle est assurée par l'homme. Mais il est encore temps, je pense, de se poser la question de savoir quel est l'avenir que nous proposent les technologies. Lorsqu'on voit comment les réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui, si vous prenez par exemple Facebook, prenez Facebook il y a de cela 10 ans, c'est-à-dire en 2011, 2012, 2010, 2011, vous allez remarquer que Facebook, à cette époque-là, par exemple, au niveau de la visibilité, il était plus facile pour toi d'avoir de la visibilité sur Facebook à cette époque. Pourquoi? Parce que les algorithmes fonctionnaient du genre, tu publies quelque chose, ils s'emparent de ça et ils commencent à le véhiculer. Mais aujourd'hui, tu publies, la chose est figée. Pire encore, le mode de réflexion des gens est beaucoup plus algorithmique que neuronal. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithmie s'oppose diamétralement à la réflexion neuronale. Donc la réflexion que propose l'algorithme, c'est une réflexion robotique, programmée, qui n'évolue qu'en fonction des combinaisons circonstancielles qui se passent sur le web. Or, dans la réflexion neuronale, il y a ce système aléatoire qui a été fait par la nature, qui est une merveille du créateur, qui fait que l'homme a la capacité de générer par la combinaison neuronale plusieurs possibilités de réflexion. Mais la réflexion algorithmique, elle est figée. Voilà pourquoi jusqu'alors, il y a des choses qu'un robot ne peut pas faire. C'est parce que le modèle de réflexion est un modèle artificiel. Et on appelle ça d'ailleurs intelligence artificielle. Mais avoir la manière ou la dépendance que nous avons aujourd'hui de la technologie, il est légitime de se poser la question. Beaucoup regardent au profit, beaucoup regardent à la facilité que la technologie offre. Par exemple, dans le domaine du e-commerce, dans le domaine de la vente en ligne, dans le domaine de la mise en place d'une boutique, la mise en place de tout ce qui a comme bénéfice aujourd'hui, les gens se plongent beaucoup plus vers ce côté. Mais ils ignorent que d'un autre côté, il y a une réflexion qui doit être menée sur l'encadrement de ces technologies. Parce que de façon générale, au lieu d'être profitable à notre société, ben ça, c'est en train de nous détruire à petit feu en fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui vous voyez qu'il y a une sorte de réflexion qui se mène en opposition. Si vous prenez par exemple le mouvement des Verts, c'est-à-dire les écologistes, ils sont en train aujourd'hui de mener un combat qui fait qu'ils disent non, on ne peut pas aller à fond dans ce sens parce que aller à fond dans ce sens signifie renier notre humanité et c'est une menace à long terme. Il y en a d'autres qui disent oh, c'est du n'importe quoi, il ne faut pas y prêter attention. Ce qui est sûr, c'est que nous continuons, nous fonçons, voilà, et puis ce qui arrive, arrive, ou peut-être bon, rien n'arrivera. Nous avons fixé donc lors de ce débat que j'avais avec les autres la semaine dernière, nous nous sommes limités à réfléchir sur les effets néfastes de la technologie dans le domaine industriel, dans le domaine sociétal. Et donc, nous voyons que notre modèle de société même aujourd'hui est réfléchi par les algorithmes. L'architectonie, la conception par exemple des véhicules, la conception des villes, comment est-ce que les villes doivent être construites, ce sont des logiciels d'architecture qui se mettent en place, qui mettent en place une sorte de réflexion, une sorte de quadrimétrie pour construire les villes. Ce n'est plus long comme à l'époque. Et donc, notre monde ressemble beaucoup plus à un monde technologique qu'à un monde humain. Et ça, beaucoup ne le voient pas, mais c'est un grand danger. Sur le plan de l'art, regardez comment les NFT, regardez comment les objets numériques, ou si vous voulez, l'art numérique est en train d'insulter, de tordre le cou à l'art physique, l'art palpable qu'on peut toucher. Tu touches la bouteille comme je suis en train de toucher cette bouteille. Aujourd'hui, on peut te vendre une bouteille d'eau minérale virtuelle qui coûte même plus cher que la bouteille physique que tu touches, que tu bois. Pourquoi? Parce que il y a une surévaluation de l'élément technologique qui est en train de se faire de façon implicite. Et toutes ces technologies sont tellement rapides qu'on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un objet numérique, cette même bouteille, si vous la mettez en objet numérique, elle coûte plus cher que la bouteille physique. Les gens ne se posent pas la question. Les gens continuent simplement de dire non, c'est une bonne chose, c'est un ensemble d'opportunités qu'on a. Aujourd'hui, sur le plan de la connexion, quand on se met à converser avec des amis sur les réseaux sociaux, des amis de fois qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, il y a une sorte de comportement que les gens ont qui fait que quand quelque chose ne leur plaît pas, ils expriment leur mécontentement de la pire des manières. Ça se met à insulter, ça se met à vilipender, ça se met à parler comme ça qu'on prend, sans pourtant se soucier que derrière, il y a une personne réelle, une personne physique qui peut être impactée par la gravité de mes propos ou la gravité ou le caractère insultant de mes paroles. Et donc, je pense que tous autant que nous sommes, il est vraiment temps qu'on se pose la question. C'est vrai, la technologie nous offre des opportunités. C'est vrai, la technologie nous offre, on va dire, des jours meilleurs parce qu'on arrive à vendre, on arrive à faire du chiffre, on arrive à faire ceci. Mais doit-on se limiter à ce seul élément? pouvoir juger cette technologie? Est-ce qu'on ne devrait pas rentrer dans une sorte de réflexion réelle qui nous permette de circonscrire les responsabilités qui sont les nôtres en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire chargés de réfléchir à partir d'une réflexion neuronale, et les responsabilités qui sont celles de nos ordinateurs, de nos téléphones, qui réfléchissent par algorithmie, c'est-à-dire une réflexion programmée? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de faire ce switch-là qui nous permettrait de revenir? Prenons le cas de l'armement. Aujourd'hui, on parle de l'armement nucléaire dans la guerre entre l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que si la Russie lance son arme et les États-Unis lancent aussi la leur, vous pensez que c'est une guerre qui va durer? Ça ne va pas durer. Sans un clin d'œil, on ne sera plus tous plus ici, on sera rasé. En un seul instant, tout est rasé. Et ça prouve quoi? Ça démontre que la technologie, ça démontre que l'évolution technologique, certes, est profitable. Mais quand on pousse la réflexion un peu plus loin, on se rend compte que c'est un grand danger pour l'humanité. Et d'ailleurs, c'est pas évident que notre siècle ne se termine pas par un cataclysme nucléaire. Ce qui est fort probable, c'est qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la toile, le cataclysme nucléaire est déjà même prévisible. C'est-à-dire que rien que quand vous regardez la manière dont les États-Unis s'acharnent à vouloir condamner, ou de façon générale l'Occident s'acharne à vouloir condamner la Russie, vous sentez qu'il y a forcément un fou qui va se lever un matin, qui va appuyer sur un bouton et puis pam, tout est rasé. Et donc c'est une réflexion légitime. Aujourd'hui je sais que il y a aussi un autre côté un côté pervers des réseaux sociaux qui fait que quand on se pose les bonnes questions, ben les vidéos ne vont pas loin. C'est aussi encore l'algorithme qui fait ça. C'est-à-dire qu'il fait liker aux gens des choses qui sont inutiles, qui ne servent à rien. Mais lorsque vous allez vous mettre à vous poser une question fondamentale qui peut amener les gens à réfléchir à leur responsabilité, quelle est leur responsabilité? Notre responsabilité aujourd'hui devant la technologie, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de nous contenter on va dire de dépendre, d'être dépendant de la technologie ou de différents outils technologiques que nous avons. Mais notre responsabilité, c'est aussi de chercher à continuer de véhiculer notre humanité, continuer de pérenniser la culture humaine, le paradigme de l'homme à travers ces technologies. Pourquoi? Parce que l'homme est en train de disparaître petit à petit. Les gens sont rentrés dans des automatismes. Regardez, même quand nous écrivons, allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer que beaucoup écrivent seulement les MDR, LOL. Ça dit que même la vraie orthographe, la vraie écriture est en train de disparaître. On est en train de tendre vers une certaine facilité qui fait que c'est tellement déconcertant que tu vois, il y a même des gens qui se permettent de dire non, l'école ne sert à rien. Ouais. Ah bon? Apprendre à lire, à écrire correctement, ça ne sert plus à rien. On se contente simplement de parler, de dire n'importe quoi et de véhiculer ça, et ça va partout. Et donc, il y a une certaine rigueur qui est aussi en train de disparaître. Quand on parle de culture, moi je vois la culture de façon globale. Je définis la culture comme étant l'élément qui définit la société, l'élément qui définit le cosmos, l'élément qui définit l'homme en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'à notre culture est attachée l'identité même. La culture humaine porte en elle les marques de l'identité humaine. Et si cette culture disparaît, l'homme ne se reconnaîtra plus. Essayons de nous poser la question de savoir quel est, si nous existons jusqu'en 2100, quelle sera la forme, quand je parle de nous, je parle de l'être humain, quelle sera la forme des humains qui seront en 2100? Dans un monde où on est en train de vouloir nous faire croire que l'insémination artificielle est devenue quelque chose de bien, c'est la meilleure des solutions, ça va éviter ceci, ça va éviter cela, on veut nous faire avaler ça, on veut nous faire croire ça. Et je crains même que cette vidéo en étant postée puisse être même déjà supprimée parce que les algorithmes ne seront pas contents. Tu vois, parce que je suis en train de critiquer les algorithmes. Ils vont dire, mais ils nous critiquent, on censure la vidéo. Remarquez que Quand vous alliez sur Facebook à l'époque, 2010, vous postiez un contenu, ça partait. Mais aujourd'hui, maintenant, tu postes un contenu, l'algorithme évalue le contenu. Il évalue, c'est-à-dire qu'il y a un examen qui fait passer à ton contenu. Si le contenu ne rentre pas dans les standards, ils enlèvent. Ou alors, s'ils n'enlèvent pas, s'ils laissent ça, ils vont juste te laisser la vidéo là, mais en fait, elle ne va pas circuler. Les gens qui sont abonnés ne verront même pas la notification. La chose ne va pas tourner. Pourquoi? Parce que ça ne plaît pas aux standards. Et donc, il y a une conditionnalisation de l'être humain aux standards de l'algorithme. Ou si tu veux, à la réflexion algorithmique. Et c'est un grand danger. Beaucoup ne se posent pas cette question. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est faire du chiffre. Ce qui compte, c'est vendre. Ce qui compte, c'est avoir de l'argent en banque. Ce qui compte, c'est... Il n'y a plus une réflexion éthique, il n'y a plus une réflexiologie de l'être humain pour comprendre quelle est la condition dans laquelle je vis et quelle est la projection à long terme de cette condition-là. On ne réfléchit plus à ça. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on passe des longueurs de journée devant les smartphones. On ne réfléchit plus sur qui on est, on ne lit plus assez, on ne se cultive pas. Et même l'école est devenue quelque chose de mauvais. Bon, il ne faut plus apprendre, il faut simplement rester sur Facebook toute la journée, à venir faire des lives où on dit non, l'école, on ne nous apprend rien à l'école. Donc, c'est parce qu'on ne vous apprend rien que tu ne veux plus apprendre, tu ne veux plus rien faire, tu te contentes simplement de venir faire des lives ou tu venir faire des commentaires sous les chats, des commentaires qui sont insensés. Vous voyez? Donc, moi, je me suis dit, en tant qu'être humain, il est nécessaire de se poser cette question parce que il en va de notre avenir, il en va de notre destinée en tant qu'être humain. À la fin de ce siècle, il se peut que la race humaine sera devenue rare sur Terre. Ça peut être possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la vitesse à laquelle la technologie évolue, ça évolue tellement vite qu'on ne peut rien prévoir en fait. On ne peut rien prévoir. Il n'y a que les algorithmes. Même les algorithmes ne savent pas dans quelle direction ils nous amènent. La réalité, c'est celle-là. Quand vous prenez un algorithme aujourd'hui, si vous réfléchissez par exemple sur l'algorithme de YouTube, comment est-ce qu'elle fonctionnait il y a de cela 10 ans? Si vous prenez, vous comparez le standard de réflexion de cet algorithme d'hier à aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a forcément une évolution, il y a une différence. Moi par exemple, je me suis rendu compte en 2020, juste après le confinement, début 2021, donc autour de février-mars, YouTube a commencé à mettre en place on va dire, une étape dans la diffusion de contenu qu'on appelle l'examen. C'est-à-dire quand tu postes, il y avait plus seulement deux étapes. Il y a une troisième étape qui s'est ajoutée où il examine carrément ton contenu de fond en comble avant de mettre une flèche bleue pour dire que c'est bon, c'est OK. Et ensuite, tu peux poster. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire simplement que quand un contenu n'est pas approprié aux standards déjà établis, parce que c'est quelque chose de déjà établi, donc c'est une dictature. On peut l'admettre ou pas, mais c'est une dictature. Ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est un peu le scénario que nous décrit le film Matrix dans sa première saga. Donc Matrix 1, 2, 3. C'est ce qu'on est en train de subir. C'est-à-dire, l'évolution technologique a mis en place un système de pensée qu'on appelle l'algorithme. C'est cet algorithme-là qui est en train de lutter contre l'intelligence humaine. C'est-à-dire l'intelligence artificielle contre l'intelligence humaine. Le but de l'intelligence artificielle étant de prendre le contrôle et de détruire la race humaine. C'est un peu, on va dire, c'est un peu fataliste, mais c'est le scénario en fait qui est en train de passer. C'est un peu l'idée. Quand vous regardez l'évolution technologique depuis la révolution industrielle jusqu'à nos temps, en passant par le complexe militaro-industriel, vous vous rendez compte que la révolution a produit quoi? Une évolution des mentalités allant du meilleur vers le pire. Les gens se mettent à longueur de journée sur les réseaux sociaux pour s'insulter. Ils ne se respectent pas. Vous allez même sur, par exemple, sur le chat, un chat comme le chat de France 24 ou le chat de TV5 Monde, vous allez remarquer que les gens sont en train de s'insulter racistes. Vous allez sur des grandes chaînes, les chaînes à des grandes heures d'écoute, quand il y a des directs ou le journal, les gens dans le chat sont complètement loin de même ceux qui se traitent dans le journal. Ils ne sont même pas en train de débattre du journal, ils profitent juste de cet endroit où il y a beaucoup de gens pour venir dire n'importe quoi, pour venir soit s'insulter ou pour venir même se calomnier, se maltraiter. Et donc on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que dans l'avenir, est-ce qu'on a d'ailleurs un avenir? Voilà, c'est une question légitime et je pense que pour toute personne qui réellement utilise les réseaux sociaux avec un peu de recul, devrait se poser cette question. Sur le plan spirituel maintenant, j'en viens. Parce que la culture, c'est un tout. La culture, ce n'est pas la langue seulement, mais la langue est un pan de la culture. La culture, ce n'est pas seulement la technologie versus le rudimentaire, mais la culture, c'est aussi l'élément, l'environnement, la cosmovision. Comment est-ce qu'on se perçoit? Comment est-ce qu'on se définit en tant qu'être? Donc, sur le plan spirituel, pourquoi est-ce que nos croyances sont en train de s'éteindre? Pourquoi est-ce que vous prenez par exemple aujourd'hui, vous voyez le comportement qu'adoptent certains religieux, vous vous rendez compte que c'est déplorable. Ça s'insulte sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est l'algorithme. Dès qu'il y a un problème, ça vient sur les réseaux sociaux pour publier, ça vient sur les réseaux sociaux pour diffuser. C'est un problème. Et tout ça, c'est le conditionnement de la réflexion algorithmique. Parce que c'est ce qui nourrit le web. L'algorithme n'évolue qu'en fonction du contenu qui est posté. Et comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus la distraction, c'est beaucoup plus le théâtre, c'est beaucoup plus l'injure, le parjure, le mépris qui sont à l'ordre du jour. Alors, quand vous êtes dans l'autre sens, c'est-à-dire d'éduquer, de conscientiser, vous avez moins d'évolution. Mais si vous faites du commerce, vous allez vite évoluer. Pourquoi? Parce que comme disait Noam Chomsky, c'est le profit avant l'homme. C'est-à-dire que l'algorithme, quand il réfléchit, il ne voit chaque être humain pour lui, c'est un moyen de gagner. Chaque personne qui a un smartphone, qui se connecte, est un moyen de gagner. Il n'y a pas une autre idée derrière. C'est-à-dire que quand l'algorithme me voit, puisque l'algorithme, pour me voir, il n'a pas besoin de voir mon visage. C'est vrai qu'il y a l'identité faciale et tout ça, mais ce n'est pas ce qu'il regarde parce qu'il ne reconnaît pas mon visage. Lui, il reconnaît certains indices qui sont en fonction du programme. Comment est-ce que le programme identifie cela? C'est des chiffres, c'est des lettres, c'est un code alphanumérique avec beaucoup d'informations à l'intérieur. Lui, c'est ce qu'il décrypte. Il ne connaît pas mon identité personnelle. Lui, il décrypte ce que le programme lui montre comme information. Et donc, le logiciel, lui, il me voit, ou l'algorithme me voit comme comme quelqu'un qui est destiné à lui faire du chiffre, à lui donner du chiffre. Soit par des likes, soit par des vues, soit par des commentaires, ou soit en monnaie. Ça peut être de l'Ethereum, ça peut être du dollar, ça peut être de l'euro, ça peut être du franc CFA, je ne sais pas. Mais tout compte fait, le but pour l'algorithme, c'est m'amener à consommer. M'amener à consommer. Et donc, dans cette réflexion de consommation, je suis devenu moi-même, en fait, l'aliment à consommer. Mais on ne se rend pas compte. Et donc, sur le plan spirituel, on est en train de perdre plusieurs valeurs. Beaucoup se sont posés souvent la question de savoir. Et je pense que sur certains lives, beaucoup de gens disent « Non, la spiritualité africaine ne sert à rien, c'est du n'importe quoi. Si réellement il y avait des vraies spiritualités, on ne devait pas être colonisé. S'il y avait des vraies spiritualités, on ne devait pas être dominé. La spiritualité, c'est du n'importe quoi. » Mais non, je suis désolé. À partir du moment où on vous enseigne que pour rentrer en contact idéal avec votre monde, vous devez rentrer dans la technologie. Mais c'est l'enseignement même que vous recevez qui vous conditionne en fait. Ce qui fait que la spiritualité elle-même n'a plus de place. Regardez aujourd'hui, quel est le temps que nous avons de nous consacrer à revenir sur nous-mêmes, c'est-à-dire faire le mouvement de réflexion. Parce qu'en réalité, le mouvement de réflexion, c'est retour sur soi. Ce n'est pas sortir de soi, mais c'est revenir sur soi. Quel est le temps? Tu te lèves le matin, est-ce que des gens ont quand même le temps de faire même 5 minutes à méditer ou à prier? Il n'y a plus ce temps. Parce que dès que tu te lèves 5 heures, bam, tu dois partir. Ou alors, dès que tu te lèves, bam, tu es sur ton smartphone, tu commences à faire, tu commences à regarder une vidéo, tu commences à regarder la page à laquelle tu es abonné, ou on va dire, la personne qui poste a dit qu'il devait poster une vidéo à 6 heures. Donc, dès que tu te réveilles le matin, la première idée que tu as, c'est sur ton smartphone. Tu ne manges même pas, tu n'as même pas mangé, tu ne t'es même pas brossé là-dedans. La première chose qui t'accueille, c'est déjà un contenu sur le web. Et dans ce contenu, on va t'obliger, on va te dire, mettez un commentaire, likez, abonnez-vous. Et donc, c'est devenu le nouveau langage dans lequel nous communiquons. C'est le like, c'est le commentaire, c'est l'abonnement. À part ça, nous n'avons plus le temps de prendre et d'exposer réellement ou de s'exprimer réellement en tant qu'être humain. Mieux encore, créer des contenus pour éduquer, créer des contenus pour sensibiliser, au lieu d'être un simple consommateur. Voilà, donc de façon ramassée, voilà un peu la réflexion que j'avais menée la semaine dernière avec des amis. Si nous avons une préoccupation ou si on peut réfléchir en continuité avec ce mode de pensée, je pense que demain ou après-demain, on fera un autre live autour duquel on pourra aussi disséquer une autre question. Mais je pense que la question de l'algorithmie versus réflexion neuronale doit vraiment faire l'objet de beaucoup de réflexions et surtout même d'un live, vraiment des lives en fait, autour desquels on doit sensibiliser les gens à comprendre l'importance de vraiment prendre les technologies avec beaucoup de recul. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en réalité, c'est notre nature, c'est notre identité, c'est notre être qui en est menacé. Comme je le disais encore, nous ne sommes pas sûrs que nous sortirons de cette décennie. Voilà, ça dit qu'on n'est pas sûr même de voir 2030. On n'est pas sûr. Parce que d'un moment à l'autre, quelqu'un peut appuyer sur un bouton qui va déclencher des explosifs et tous. Ça dit que si un explosif se déclenche maintenant, ça ne va pas mettre 2 semaines. C'est en un laps de temps réduit, nous serons rasés par les radiations. Je dis bien rasés. Et donc, c'est bien beau de penser la technologie quand il s'agit de commerce, quand il s'agit de chiffre d'affaires, quand il s'agit de business. Mais il faut aussi penser la technologie et surtout vulgariser cette manière de réfléchir qui permet aux gens de se poser les bonnes questions pour éviter d'être l'objet consommé. Voilà, donc c'était tout. Dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire bien sûr. Et donnez-moi votre impression, voilà. Et nous ferons certainement une autre vidéo là-dessus. Ciao, ciao.